au dernier point, toujours reprenant ce qu'est l'Église profondément, je l'évoquais tout à l'heure, l'Église est le corps du Christ dont tous sont membres et dont le Christ est la tête. Nous savons bien, y compris dans la vigne, combien les métiers sont différents et il y a besoin de tous, il y a des besoins, des compétences de tous, des vocations de tous. Il y en a des métiers pour arriver à réaliser et à commercialiser ce vin qui fait notre joie ici dans la Gironde. Eh bien, dans l'Église, c'est aussi la diversité des vocations, la diversité de nos missions que nous vivons ensemble, dépendants les uns des autres, solidaires les uns des autres, qui va aider nos paroisses nouvelles, ces paroisses nouvelles qui vont se constituer, eh bien, qui va les aider à vivre leur mission. Je nomme quelques points d'attention pour que nos paroisses nouvelles vivent et remplissent bien la mission qui est la leur. J'invite en particulier les paroisses nouvelles à écrire un projet missionnaire. Je les invite à avoir une équipe d'animation paroissiale, à avoir un conseil des affaires économiques. Et puis surtout, j'invite à développer ce qui est peut-être difficile pour nous, ce qui est pour lequel il nous faut faire encore effort, c'est cette co-responsabilité, ce travail de synodalité, à nous habituer les uns les autres, prêtres, diacres, laïcs, personnes consacrées, jeunes et moins jeunes, à travailler ensemble et à porter ensemble le souci de l'annonce de l'Évangile.